et le Stonebook Joey Mata sur laurentlem.com. R&B, kill that. Salut, moi c'est Joey Mata, artiste, auteur, compositeur, interprète, aussi producteur, parce que je produis aussi des artistes. Je te retiens pas, je te laisse partir. Après tant d'obstacles, je te laisse partir. J'ai commencé la musique, j'avais 6 ans et demi, 7 ans par là, en orchestre symphonique. J'ai été influencé par des membres de ma famille, parce que j'ai une famille de musiciens, notamment mon oncle fondateur et maestro dans l'orchestre symphonique de Kinshasa. Et principalement, c'est de là qu'est partie mon envie et mon amour pour la musique. Mon process de création est assez varié. C'est-à-dire, je peux très bien commencer la musique en partant de l'instrumental ou alors en partant des paroles. Mais principalement, depuis quelques années, je commence par avoir un thème déjà de base et je développe le thème. Une fois que j'ai développé le thème, j'écris les paroles, je viens habiller après mes paroles, mon thème d'un fond sonore, parce que n'oublions pas que la France a tout d'abord une culture de mots en fait. Oh Mike, le meilleur, sans aucun doute. Je dis ça, je dis rien. Non, non, je dis ça, je dis rien. Par des mecs comme Stevie Wonder, comme j'ai été influencé par des mecs comme Bob Marley, j'ai été influencé par des mecs comme Cimarron. J'ai tellement eu d'influence, j'ai fait de la musique. J'ai commencé en musique classique. J'ai fait de la musique classique, mais j'ai fait du gospel aussi après. J'ai fait 2 ans de gospel. J'ai fait 6 ans de musique de fanfare. J'ai tellement eu d'influence musicale que ma culture musicale ne se limite pas au genre de musique que je fais aujourd'hui, en fait. C'est la raison pour laquelle, dans mes chansons, vous allez vous retrouver avec des trombones, des trompettes, des trucs comme ça. On entend rarement dans du R&B. Je dirais plutôt entre Brian McKnight et Joe Thomas. Je pencherais un peu plus vers Joe Thomas. Pourquoi? Parce que Joe est pour moi celui qui a sorti le plus d'albums avec une constance. Vocalement, je pense que les deux sont très 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 inspirants. Ils ont un niveau d'extraterrestre. Confessions de Usher. C'est pour moi l'album que j'écoutais il y a bientôt 20 ans. J'écouterai encore dans 5 ans, 10 ans, voire même dans 20 ans. Si je dois choisir une chanson de Confession, ce serait Superstar. Faut savoir, c'est un sample d'un des vocalistes que j'ai toujours kiffé, Lufa Vandross. Et j'adore quand Usher commence son couplet en disant Spotlight, big stage,
15,000 fans with me in the rage. Bodyguard in the limousine. This is the way I see you in my dreams. Paparazzi flash in the pictures, all of you. And you know my babe, but what? I'm a kid again. I feel like 13, but I mean. C'est un truc de fou. Et même au niveau de l'écriture, il a décrit au fait la scène, il a décrit au fait l'environnement. T'es obligé de te sentir dans l'histoire. C'est vraiment bien fait et j'adore cette chanson. Do anything for you, baby, yeah. Oh, yeah. Go for you. Oh, yeah. Là, actuellement, j'écoute 11-11, ça s'écrit 11. Deux points, 11, qui a sorti son dernier album. C'est un peu une sorte de R&B moderne, un peu trappé, un peu comme Eric Bellinger. Et j'écoute aussi, surtout, Don Stitt, un gars cool en plus. Un gars cool, je discute avec lui, c'est un mec jeune, un très jeune artiste, qui chante de fou. Il a écrit pour Chris Brown, pour... Et très jeune, c'est un musicien, c'est un chanteur de ouf, Don Stitt. Ça s'écrit T-O-N-E, Don pour Antonio, et Stitt, S-T-I-T-H. Ouais, voilà, trop fort. Plus j'avance, plus je me dois d'être grand, mais je n'oublie pas de croquer la vie à pleine dans la pression. Yeah, yeah. À la pression. Yeah, yeah. Joey, Fuego. Hello, Kanzvai. Corneille. Non, Phil Collins. J'aimerais tellement faire un truc avec un mec comme Phil Collins. Un album. Oh, ça doit être un truc tout. Ça doit être une dinguerie. Tu sais que c'est pas vrai, tout ce qu'on dit de moi. Parle-moi, tu vas comprendre. Non. Si tu veux, confie-moi tes convictions. Je partagerai mes peines. Hey. En fin de soirée, on chantera la même chanson. Avec la conscience plus saine. Non, te l'as déjà dit. Et si tu veux mon avis, aujourd'hui on dit beaucoup plus qu'on ne vit. Oh, toi et moi, on peut faire ensemble. J'ai quelquefois du mal. On a tellement assimilé le R&B par tellement de genres. Ça a tellement été dilué à plusieurs reprises. Là actuellement, je pense que Nov a sorti un album qui est très bon. Donc à écouter, je recommande cet album-là. Je pense qu'il y a Taïka aussi qui avait fait un album qui était pas mal. Celui qui est sorti il y a bientôt un an. Bon, c'était pas totalement du R&B, hein. Mais il y a pas mal de chansons R&B qui sont dedans, qui sont vraiment, vraiment agréables à écouter. Après, j'ai d'autres artistes qui vont sortir des trucs là, durant les prochains mois, avec qui on a bossé. Je vais juste vous dire Blue, B-L-U-E, ça va arriver. Ça va faire mal, très mal. Appelle-moi Joe. Je m'appelle Joe, c'est toi. Dis-moi ce que tu as dans les yeux de moi. Je suis fan de R&B. Blue qui va arriver. C'est un artiste avec qui j'ai collaboré, même sur mon précédent projet, sur le titre un peu de ci, un peu de ça. À la fin, on entend la voix de l'artiste qui s'appelait Love and Soul, et aujourd'hui, il a juste changé son pseudonyme. Maintenant, c'est Blue. Et vous allez voir, vous allez comprendre pour quelle raison. Ça va arriver, j'ai composé, j'ai écrit, j'ai produit tous les titres. Vous allez voir, c'est du lourd, ça arrive très vite. Ne retiens pas tes larmes, laisse aller ton secret. C'est une page qui se tourne.
clip et mon single Game Over qui est disponible sur toutes les plateformes. On retrouve la performance de Lala Misaki, magnifique. T-Jeff pour l'instrumental, Manuel Satrotro qui a réalisé le clip en fait. Il y a eu le Sankofa Unit qui a accepté de m'honorer en tout cas mon invitation sur le titre pour la deuxième version, la deuxième partie. Donc, juste c'est un truc, si vous avez 2-3 minutes, allez checker ça, c'est une pépite. T'as voulu qu'on joue, mais game over. Est-ce que ça en valait le coup? Ainsi tu m'as anéanti, mais tandis que tu crachais sur moi, je prenais sur moi pour nous enverrer. Game over, game over, over, game Puis là actuellement, je travaille aussi sur un album. J'en dis pas plus, mais voilà, c'est un album qui portera à peu près une vingtaine de titres. Jusque là, on a 23, mais on va voir comment agrandir encore le truc. Peace, love, music. Je veux faire ce long voyage avec toi, car le chemin est long. La vie est sauvage, mais j'ai trop fait.